Rastafari, alors bonsoir ou bonjour à tous les auditeurs et les auditrices du Papa Rasta Show, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bonjour Mama Rasta. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, que la paix de l'Éternel soit avec vous tous. Nous sommes enchantés de rester encore au Togo. Au Togo, toujours au Togo, enfin nous découvrons le reggae togolais. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec Chapman. Alors, il est avec nous en direct du Togo. Bonjour Chapman, comment vas-tu? Yes, I reste pareil. C'est là, je suis Chapman. Ça va bien au Togo si ça va bien. Yeah, man. La première question que je voudrais te poser, Chapman, c'est que j'ai regardé un petit peu ton clip, l'étudiant, et j'ai l'impression que tu as été très marqué par cette période. Est-ce que cette période existe toujours au Togo ou alors est-ce que c'était sous un ancien temps? Et par rapport à mon clip vidéo intitulé l'étudiant, effectivement, c'est un morceau que j'ai composé quand j'étais encore à l'université de Lomé. Donc, j'étais inspiré par un événement qui s'est produit à l'Université de Lomé en 1999. Voilà. Et ça m'a inspiré à écrire le texte l'étudiant. Ce qui s'est passé, c'était la violence policière contre les étudiants qui réclamaient leurs droits. Et ça devenait une coutume. Dans le temps, à l'Université de Lomé, il n'y avait plus de bourses d'études. Il n'y avait plus d'aide, ce qu'on appelle aide. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas boursiers, on leur donnait quelque chose pour leur survie. Voilà. Et le logement même était problème. Or, il y a des étudiants qui venaient depuis le nord du Togo, du centre du Togo, à 600 km de Lomé. Et trouver un logement également, c'est un problème. C'est une affaire de business. Il faut avoir des bras longs pour avoir un logement à l'Université de Lomé. Et dans le temps, c'était vraiment insupportable pour moi. Alors, est-ce que cette situation, elle est toujours là ou ça s'est arrangé quand même? Il faut dire qu'actuellement, ça s'est amélioré. Ah. Parce que dans le temps, c'était le papa, maintenant c'est le fils et je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations durant toutes ces années. Alors, une génération succède et les choses changent en fait, c'est ça que tu veux nous dire? À peu près. Yeah, mais c'est mystique, tu vois ce que je veux dire. C'est très mystique. Oui, alors c'est vrai que nous on a vu que faire des manifestations en Afrique, c'est déjà il faut un grand courage parce que souvent dans les manifestations, les gens ils se font tirer dessus carrément à balles réelles. Alors la question que je voudrais te poser, est-ce qu'il y a eu des morts ou des blessés graves lors de ces événements de 1999, tu nous dis, hein? Mon frère, franchement parlant, le jour où moi j'ai écrit le texte de l'étudiant, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu un blessé très grave. Il y avait un camarade étudiant qui était jeté du deuxième étage de la cité B. Du deuxième étage de la cité B. Et ce que je vous dis, je l'ai vécu. On ne me l'a pas rapporté plutôt. Je l'ai vécu en live comme ça. Et vraiment, ça m'a touché et j'ai écrit le texte de l'étudiant. Voilà. Alors vraiment, je conseille à tous les auditeurs et les auditrices du Papa Rasta Show qui vont découvrir ton clip l'étudiant à travers le Papa Rasta Show. Alors tu vas être connu un petit peu partout avec le Papa Rasta Show, en Jamaïque, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout où il y a des communautés Rasta. Yes, là c'est high. Alors justement, je voulais te demander, est-ce que au Togo, vous avez une petite organisation qui vous permet de vous retrouver ou de faire des manifestations ou des Shabbat Days, enfin tu vois ce que je veux dire? Oui. Au Togo, nous avons une organisation qui regroupe les Rasta et ça s'appelle Peace Forever Family. Donc, Peace Forever Family. Ça t'inspire, Mama Rasta, parce que depuis tout à l'heure, je vois que tu étais bien silencieuse. Non, j'écoute avec attention tout ce qui peut se passer au Togo, qui est un peu loin de nous, mais
c'est intéressant et de voir que on espère qu'aujourd'hui ça s'est amélioré, et parce que c'est vrai que être étudiant c'est important pour que nos enfants comprennent un petit peu tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qui s'est passé dans l'histoire et la culture générale. La culture en général, donc c'est vraiment important de big up les étudiants et de leur donner du courage à continuer à apprendre toujours. Alors, moi, je voudrais revenir sur l'organisation du Togo. Est-ce que c'est organisé ? Parce que, par exemple, tu vois, nous, ici en France, quand on a pris Rastafari, déjà, on est Aïtal, végétal, tu vois, on a toute une hygiène de vie, les Aïtal Roots, etc. Je voudrais savoir si vous, au Togo, les Rasta, ils ont cette même hygiène de vie, ou alors, est-ce que les gars mangent la viande, le poulet, le poisson ? Tu vois, je veux un peu que tu nous expliques comment sont les Rastas au Togo, ou est-ce que c'est très diversifié, tout simplement ? Oui, oui. Et chez nous, au Togo, bon, le Rastafari, nous la pratiquons à notre manière, je vais dire. C'est-à-dire que, bon, il y a l'idéal et il y a le réel. Pour être un Rasta vraiment idéal, il faut avoir les moyens de supporter les conditions alimentaires. Donc, il y en a des Rastas qui ne sont pas en mesure d'avoir les moyens pour se donner les conditions requises. Oui, mais donc, attends, alimentaire. Moi, c'est la discussion que j'ai eue avec les frères du Cameroun. Je leur dis, mais attendez, nous, on a nos petits jardins. On fait nos légumes, on fait nos salades, nos tomates. Là-bas, chez vous, vous avez la chance d'avoir plusieurs récoltes dans l'année, il me semble. Ça coûte moins cher, les légumes, que d'acheter. Et les fruits, vous avez les fruits aussi. Donc, s'il suffit d'avoir un petit jardin, et normalement, si tu sais faire bien les choses, tu peux, je pense, au Togo, avoir ta suffisance alimentaire, ton autosuffisance alimentaire, non ? C'est ce que tu en penses ? Oui, bien sûr. Chapman, oui. J'espère que je n'ai pas encore... Oui, bien sûr, c'est l'idéal. C'est l'idéal que vous dites, mais la réalité, c'est que, bon, supposons un Rasta qui est encore sous la dépendance de ses parents, sous l'autorité de ses parents. Donc, je pense qu'il est sous l'autorité d'un boss, d'un patron. Donc, qui lui donne à manger ou bien il est obligé de manger ce qu'on lui donne. Je pense qu'il ne pourrait pas vraiment pratiquer le régime alimentaire comme cela se le doit. Mais attention, là, tu parles de quelque chose de que nous, on a vécu. Nous, il a fallu qu'on fasse une cassure avec nos parents. Alors après, il faut... Et ça, c'est un travail que Rasta doit faire pour protéger sa famille. Et apprendre apprenant à cuisiner, par exemple. Et en apprenant à cuisiner. Tous les fruits et légumes que vous, en Afrique, vous avez beaucoup plus de diversité que nous ici en Europe. Hein. Alors vraiment, très rapidement, ma Rasta me demandait ça, vite fait. Nous dire quel est le plat togolais. Togolais, aïtal. Aïtal, végétal, un bon truc togolais. Une spécialité de chez vous. Ça, c'est une question vraiment intéressante. Bien, chez nous, il y a ce qu'on appelle ici akoumé. Akoumé. C'est-à-dire la pâte du maïs. La pâte du maïs. La pâte de maïs. Un peu comme le foufou. La pâte du maïs. Un peu comme le foufou. Le foufou, ça c'est la pâte du yam, ou bien du manioc. Oui. La pâte du maïs, c'est le foufou. C'est akoumé. Et on l'aromatise avec une sauce ou avec quelque chose. Voilà, on l'aromatise avec une sauce tomate. Le tomate est écrasé avec le piment écrasé. Et il y en a qui l'accompagnent avec du poisson, d'autres sans poisson. Ça dépend du type de rasta dont il s'agit. Voilà. Donc si on va au Togo, on va manger un aïtal, on demande l'akoumé. Oui, c'est merveilleux. Alors, ce concert pour Lucky Dub. Je vais dire que sur l'affiche, vous allez voir, j'ai écrit « Sortez avec vos bougies et briquets pour que nous célébrons sa vie ». Donc pour moi, je ne célèbre pas la disparition de la mort de Lucky Dub, mais je célèbre la continuité de sa vie. Voilà. C'est bien c'est que tu précises ça. Célébrons sa vie. Voilà, ouais, c'est bien que tu précises ça quand même. Donc, mon concert pour Lucky Dube, c'est le samedi 22 octobre et le dimanche 23 octobre. Donc, tu fais deux jours. Deux jours. Ah, ça. Mais il mérite bien ça, Lucky Dube, parce que. Il mérite vraiment. C'était un grand artiste. Pour moi, et Lucky Dube le mérite effectivement, parce que le monde entier célèbre Bob Marley déjà. Mais il est temps qu'on donne aussi une place à Lucky Dube dans cette célébration. Voilà. Tout à fait. Ce sont les premiers à avoir fait du reggae en Afrique et il faut le respecter. Voilà.
Tout à fait. Donc, c'est pourquoi moi, la charge de le faire chaque année. Et j'ai commencé ça en 2019 et cette année, c'est la 4e édition. Mmh. Donc, ok. Oui. Alors, Mama Rasta, aurais-tu une question à poser à Chasman? J'escorche pas ton nom, au moins, là. Ça va. Donc, à part ce concert de Lucky Dub, tu as d'autres actualités, d'autres concerts que tu prépares sur place au Togo? Même hier, moi, j'ai joué. J'ai fait un concert encore hier. Je travaille au Togo comme au Ghana. Ah, mais c'est merveilleux. Et on a joué là-bas dimanche, on a joué encore hier. Et aujourd'hui, ils sont partis au Ghana. Ah, mais c'est c'était super. Vraiment bien. Parce que c'était la famille qui s'est retrouvée. Et puis, les chefs traditionnels étaient là. Les gardiens des us et coutumes étaient là. Et vraiment, les mots me manquent pour décrire ça. Parce que c'est les retrouvailles. Il y a toute une sorte de compatriotes qui sont arrivés du Ghana. Spécialement pour ça. Alors, tu vois, ça va donner une force. Ça va donner une vraie force aux autres musiciens de reggae en Afrique, qu'ils aillent jouer dans leur village, qu'ils aillent jouer devant leur chef traditionnel, qu'ils soient supportés par leur propre village. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très important. Moi, je n'arrête pas de le dire qu'il faut respecter ces choses-là. Y a un gars qui m'a demandé, mais comment tu fais, Papa Rasta? Je dis, moi, quand j'arrive... Si je vais dans le village, j'ai dit, je prends un pagne, j'offre à la maman une petite bouteille de quelque chose pour le papa et un peu de la cola. Voilà. Voilà. Tu vois? Ça, c'est Rasta. Ça, c'est Rastafari. Tu vois? Nous, quand on marche en Afrique, c'est comme ça. Tu vois? Mais j'entends des gens qui parlent de repatriation et patati et patata, mais... J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas nos coutumes. Comment faire pour arriver et puis faire que tout se passe bien dans le village avec les gens et tout. Toi, donc, comme tu es togolais d'origine, tu sais comment faire, tu vois, parce que tu as cette tradition en toi. Et ça, c'est quelque chose que je demande à tous les frères africains d'enseigner aux autres Rastas qui viennent d'ailleurs. De leur enseigner... Nos coutumes, comment il faut respecter nos villages, comment il faut faire dans nos villages, comment il faut... Tu vois la cola, là? Oui. C'est chez toi, c'est pareil aussi, il y a le petit symbole de la cola? Il y a la cola, c'est vraiment symbolique ici. Voilà. Voilà, tu vois? C'est l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est ça, c'est l'Afrique. Donc, c'est vraiment agréable de t'entendre me parler de ça parce que ça nous permet de rebondir là-dessus et puis d'expliquer ça aussi aux autres Rastas. Est-ce que tu vas nous jouer l'étudiant là-bas? Tout arbre a une racine pivotante. Et tout bâtiment a une fondation. Tout à fait. Et moi, le morceau l'étudiant là, pour moi, c'est comme ma racine pivotante. Chasman ne fait pas de concert sans le morceau étudiant. Bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'artistes masculins et bon, au Cameroun, on a quand même vu beaucoup de sœurs. Ah oui, au Cameroun. Mais est-ce que vos femmes, vos sœurs sont avec vous, vous entourent? Sur scène, elles vous entourent? Chantent, sont dans le mouvement? Oui, justement. Au Togo, le mouvement Rasta, ça bouge. Il y a des femmes Rasta aussi au Togo, comme Mama Rasta en France. Voilà. Et ici... Celle qui fait du reggae, la Rasta, qui est ici, qui est bien reconnue, c'est la sœur Kezita. Ouais, peut-être la prochaine invitée au Papa Rasta Show. On ne sait jamais, Inch'Allah. Yes. Et à la sœur Kezita. Et également, il y a une sœur qui chante du reggae ici, mais elle est camerounaise. Elle s'appelle Kunja. Yes. Donc, elle fait la navette entre le Cameroun et le Togo. Je ne sais pas si actuellement elle est au Togo ou bien elle est retournée au pays, mais certainement, elle doit être... peut-être toujours en Afrique de l'Ouest, parce que parfois elle va en Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas demandé cette nouvelle ces derniers temps, mais on verra bien. Yes, I. Eh bien, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Papa Rasta Show. On te souhaite une bonne semaine. Je pense que tu vas répéter un petit peu avant d'aller faire ce concert pour Lucky Dub, non? Bien sûr, mon grand. On a encore répétition ce soir. Voilà. On va répéter un peu jeudi soir, et puis vendredi, c'est la pause, et samedi, on va taper fort. Bon, bah voilà, alors...
souhaite, on vous souhaite plein de force, pour les répétitions et pour ce concert de la part de toute l'équipe du Papa Rasta Show. Et vous étiez en direct avec Chasman du Togo. L'étudiant n'a pas de faïa, l'étudiant n'a pas de matraque, l'étudiant n'a pas de grenade, l'étudiant n'a que sa raison. Oui, yeah, yeah. Soit très bien armé, dispense des cours sur le campus, au département du tais-toi, de la faculté des abus. Pitié, ya! Pitié! Tête pensante d'un pays, les voilà devenus des pieds marchands. Tête pensante d'un pays, les voilà devenus des mains mendiantes. Tête pensante d'un pays, l'on est devenu tête pendante. Oui, yeah, yeah. Côté production, alors tout va bien. Yes, I. Moi, je voudrais savoir tout simplement ce que l'on fait en ce département. Voudriez-vous savoir tout simplement ce que l'on fait en ce département? On me dit qu'aux étudiants on apprend à ne jamais revendiquer leurs droits, on dit ont droit, leurs bourses dont ils ont droit, leurs aides dont ils ont droit, leur disons, disons droit. Quand je voudrais savoir tout simplement ce que l'on fait en ce département, voudriez-vous savoir tout simplement ce que l'on fait en ce département? On me dit qu'aux étudiants on enseigne à ne jamais revendiquer leurs droits, on dit ont droit, leurs bourses on dit ont droit, leurs bus dont ils ont droit. Mais où sont nos bourses? Où sont nos dues? Où sont nos droits? Ah ouais, où sont nos bourses? Où sont nos aides? Où sont nos droits? Où sont les livres de la bibliothèque? Où sont les plaques du resto? Où sont les draps du cool? Où sont les droits de l'étude? Oui, yeah, yeah.
Mais où sont nos bourses? Où sont nos bus? Où sont nos droits?